Et bien yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien écouter, moi ça va plutôt nickel. Comme d'habitude aujourd'hui les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo sur Honkai Star Rail, et aujourd'hui on va aller se faire la petite tier list de la version 2.5, ou en tout cas de la première partie de la version 2.5. Comme d'habitude, au niveau de la tier list, il y a quelques petits trucs, notamment le fait qu'on va juger les personnages en E0 pour les personnages 5 étoiles avec leur cône de lumière, donc E0 S1, et pour les 4 étoiles on les considère comme étant en Eidolon 6 pour tous les 4 étoiles, puisque maintenant également March 7th a ses 6 Eidolons, et avec leur best in slot au niveau de leur cône de lumière, vu que les personnages 4 étoiles n'ont pas de cône signature à proprement parler. Au niveau également de l'optimisation, on part sur le principe que les personnages sont optimisés, et voili voilou. Aujourd'hui on traitera uniquement la tier list overall, vous savez que dans les dernières tier lists, on avait également fait celle de la MOC, de la pure fiction et tout. Je pense qu'on gardera ça pour l'ultime tier list de la version 2.5, donc celle qu'on fera en deuxième partie, quand Lingsha sera disponible sur le jeu. Comme ça voilà, on aura un truc très complet. Là on va rester un petit peu sur cette tier list overall, donc pour ceux qui comprennent pas trop en fait cette tier list, c'est un petit peu un ensemble en fait. On essaye de traiter les personnages un petit peu dans tous les modes de jeu de manière globale en fait, que ce soit au niveau de leur intégration dans les teams, de leur utilité dans le jeu, de la force en fait qu'ils vont avoir, que ce soit dans l'aventure ou dans l'aventure, l'histoire, et au niveau du endgame, que ce soit MOC, pure fiction, fantôme de l'apocalypse mélangé. Et voilà, du coup je pense qu'on a fait un petit peu le tour. On va pouvoir en parler un petit peu, il y aura quelques replacements comme d'habitude, et puis on parlera bien entendu des nouveaux personnages disponibles, à savoir Moze et Feixiao. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça me soutient énormément, et à vous abonner si ce n'est pas fait pour ne pas louper les prochaines aventures de la chaîne. Et sur ce les amis, on est parti pour aller parler, et bien justement, des replacements. Alors au niveau des replacements de personnages, on va en avoir quelques-uns, et surtout il y a des interrogations que moi je me pose sur certains personnages, et l'espace commentaire est là, c'est pour ça que je vais vous le demander à vous, surtout que si vous avez les persos et que vous êtes peut-être un petit peu plus habilité à en parler de ces personnages là, on y reviendra un petit peu après, mais pour le moment on va parler d'un personnage qui a pris énormément, mais genre vraiment énormément de valeur ces derniers temps. On va bien sûr parler de Robin. Alors Robin, c'est un personnage à sa sortie qui était fort hein, individuellement, un personnage support très intéressant, mais qui n'avait pas forcément d'alliés, ou en tout cas les personnages qui étaient sortis jusqu'à maintenant, enfin, jusqu'au moment où Robin est sorti, fonctionnaient bien, mais c'était pas non plus la synergie de fou malade. Voilà. Depuis que Robin est sorti, sur quasiment toutes les versions, si ce n'est toutes les versions en fait, ou presque, chaque version a comporté au moins un personnage, ou presque bien entendu, qui fonctionne trop bien avec Robin, ce qui donne de l'intérêt au personnage, et ce qui la up en fait quelque part, vu que comme elle devient plus intéressante, elle devient un petit peu plus primordiale à avoir, et ça lui donne une plus grande importance. J'avais dit la dernière fois dans l'ultime tier list de la 2.4 que pour moi, prochain patch, avec l'arrivée de Feixiao notamment, et de Moze, que Robin passerait bien évidemment en Z, et c'est le cas. Je vais mettre Robin en Z pour toutes ces raisons là. Le perso a pris une très très grosse importance dans le jeu grâce à tous ces personnages qui sont sortis après elle, et c'est intéressant de voir ce phénomène là, parce que ça veut dire qu'on n'est pas à l'abri que des personnages qui sont peut-être un petit peu dépassés aujourd'hui reviennent sur le devant de la scène plus tard. Donc c'est pas parce qu'un personnage actuellement est, je sais pas moi, en A qu'il reviendra pas en S, S+, plus tard, en fonction des sorties qu'on aura, ou je sais pas, ou justement peut-être des mises en avant de certaines teams qui vont balayer celles qu'on connaît actuellement. Mais bon, pour ça, il faudra attendre, bien entendu. Donc voilà, Robin en follow-up attaque, donc la team attaque de suivi qui est juste beaucoup trop broken aujourd'hui, et qui a eu des ups dans tous les sens, et je pense que ça serait bien qu'on commence à passer sur une autre team, parce que là, on a tellement de variantes possibles de cette équipe, que c'est un petit peu n'importe quoi, mais bon, écoutez, voilà, le personnage est en Z. On va parler d'un autre personnage qui pour moi est sur la sellette, en tout cas sur son placement en Z, puisque du coup si on compte tous les supports en Z, on a Ruan Mei actuellement, qui pour moi reste en Z, ça y a pas de problème là-dessus, le perso est toujours aussi broken. D'ailleurs si on devait faire un classement entre Ruan Mei et Robin sur le meilleur support, pour moi hein, en tout cas, je trouve que individuellement, et je précise bien individuellement, Ruan Mei reste plus intéressante que Robin, en tout cas ça reste un meilleur support individuellement que Robin, mais si on prend en compte les teams et la façon dont le jeu tourne actuellement, Robin est le support le plus fort. Voilà, ça c'est un petit peu mon avis là-dessus. Et pour moi, le troisième support du tier Z qu'on avait, bah pour moi, et sur la sellette aujourd'hui, c'est Sparkle. Elle a eu son rerun récemment, et honnêtement, je trouve que son impact aujourd'hui vis-à-vis des autres supports qui sont à côté d'elle dans le tier Z, bah en fait est moindre, et puis surtout, elle n'a pas vraiment d'alliés, même si c'est un support un peu passe-partout, qui s'incruste vraiment dans plein de teams différentes, et ça reste excellentissime. Bah je trouve que sa place en Z est peut-être un petit peu remis en question aujourd'hui, et là où Robin a pris de la valeur avec le temps, je trouve que Sparkle en a peut-être un petit peu perdu en fait ces derniers temps, même si ça reste un personnage vraiment très puissant. Je trouve que elle est un petit peu sur la sellette, j'hésite vraiment à la redescendre en S+, je pense qu'on va rester sympathique et la laisser en Z quand même actuellement, parce qu'elle a des mécaniques vraiment très très puissantes. J'attendrai la deuxième partie de la 2.5 pour me décider sur le sort en fait de Sparkle actuellement. Et puis de toute façon, un petit peu à l'instar de Robin, c'est pas parce que Sparkle redescendrait en S+, qu'elle ne serait pas capable de remonter en Z. Je pense que ce qui lui manque en fait, bah, c'est juste des alliés et des personnages qui profitent vraiment énormément de ces mécaniques. Et puis bah voilà, du coup pour mon avis sur les personnages du Z. Sinon pour revenir sur le tier Z, pour moi il n'y a aucun personnage qui bouge ou qui descend, ce tier est très solide. Les persos qui sont dedans en fait sont vraiment ancrés. Il n'y a vraiment absolument aucun personnage qui redescend, et à part Sparkle, sur qui il y a une petite hésitation. Moi, l'interrogation que je me posais, c'était les personnages du S+. Alors, on a des personnages qui sont là depuis très longtemps, qui sont des DPS très puissants. Je parle de Dan Heng, Imbibitor Lunae, et de Jingyu, qui pour moi sont deux excellentissimes personnages. Vraiment, ils sont toujours très forts. J'ai rejoué Jingyu il n'y a pas très longtemps en MOC, elle m'a carré de fou malade, c'est vraiment des persos qui sont très forts. Dan Heng, je peux un petit peu moins en parler parce que j'ai pas le personnage malheureusement, mais je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que le perso est vraiment très fort. Et en fait pour moi, il y a un truc qui commence à être un petit peu difficile, et je vais surtout faire référence à Dan Heng pour le coup, c'est que j'ai l'impression que le personnage commence légèrement à devenir de plus en plus difficile à sortir, même s'il reste très puissant. Bah vis-à-vis de toutes les teams qui ont eu des hubs, tout ça ces derniers temps, je trouve que le personnage commence un petit peu à redescendre. On va pas le descendre en S non plus, parce que je pense qu'il est quand même au-dessus des personnages du rang S, globalement hein, bien entendu, mais attention, Dan Heng, Imbibitor Lunae, je pense que ça commence un petit peu à vieillir, et c'est un petit peu la même chose pour Jingyu. Ça va rester encore assez solide pendant un petit moment, mais il y a un moment donné où ils vont commencer à se faire rattraper par les nouveaux personnages. Et en fait, c'est pas tellement le fait qu'ils vont devenir moins forts d'eux-mêmes par rapport au reste du jeu, c'est plus que c'est les nouveaux personnages qui vont arriver qui vont juste les rendre pas moins forts, mais on va avoir l'impression qu'ils le seront, parce que les nouveaux personnages sont forcément plus forts. Hein. On rappelle qu'il y a quand même un power creep sur le jeu, même s'il n'est pas hyper violent, en tout cas, on en a eu un qui était très violent au niveau des DPS, c'était Acheron à sa sortie, mais globalement, le power creep sur Star Rail, ça reste quand même assez léger, c'est des... les persos mettent pas deux tiers quoi sur les autres, donc voilou. Au niveau de mon interrogation, et la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que pour vous, vous avez vraiment l'impression que ces persos vieillissent pour de vrai, ou est-ce que finalement bah, ça reste encore des persos vraiment beaucoup trop solides pour avoir une remise en question de leur positionnement dans la tier list. Voilà, donc ça, petite question, n'hésitez pas à y répondre, à me donner votre avis, je serais très très curieux de voir un petit peu ce que vous en pensez. Un autre personnage sur qui je me pose des interrogations, et c'est vrai qu'on me l'a fait remarquer la dernière fois, c'est Boot Hill. C'est vrai que j'ai mis Boot Hill en S, alors pourquoi je l'ai mis en S? En fait, je trouve que le perso est vraiment très fort, hein. Ça, il n'y a pas de souci, le perso fait vraiment extrêmement mal, mono-cible, il détruit très facilement ses adversaires. Le problème du personnage, c'est que hors de la MOC, et hors du fantôme de l'apocalypse, j'ai l'impression que le perso est... Enfin, il a moins d'utilité, c'est un très bon personnage pour le endgame, mais si on prend vraiment l'ensemble des modes de jeu, tout ça, je trouve que c'est un perso qui a une valeur un peu moindre. Donc si on devait... Si finalement on prenait en compte que les modes endgame, il serait clairement S+, pour moi, très facilement, mais vu qu'on prend un petit peu tout l'ensemble là dans cette tier list overall, je pense qu'il est en haut du tier S. Il est un petit peu entre les deux, mais en même temps, il n'a pas cette place en fait qui le rend vraiment hyper broken. Un autre truc que je voulais parler un petit peu, c'est le positionnement des personnages comme Kafka et Black Swan, qui resteront en S bien entendu, mais la team Dot est vraiment tellement en retard vis-à-vis des autres teams que ça commence à devenir vraiment très compliqué pour elle de subsister, même si ça reste des persos très puissants, et vu que la team part de très loin actuellement, lorsqu'on aura des ups de la team Dot, bah forcément les persos vont reprendre quand même beaucoup de valeur. Voilà, je pense qu'au niveau des replacements, globalement, j'ai plus trop de choses à dire. Je pense avoir fait un petit peu le tour. Peut-être un petit peu, enfin, sur certains personnages, faudrait revoir, genre Topaz, qui reprend de l'intérêt avec l'arrivée de Feixiao, même si je pense pas que ça lui fasse monter un tiers littéralement. C'est vrai que le perso reprend plus de valeur dans son propre tiers à elle, même si ça mériterait pas non plus de monter. Si, il y a peut-être aussi le pionnier de l'harmonie, mais est-ce que le pionnier de l'harmonie, on le redescend? On va dire qu'on va le laisser là parce que la team Hyperbreak, ça reste super fort et que ça reste le pilier de la team, un des piliers en tout cas. Mais bon, pareil, ce personnage-là, il est un peu sur la sellette et il va commencer eh bien, à redescendre forcément très prochainement, ou en tout cas par rapport aux prochaines sorties, on verra bien. Mais pour l'instant, on va dire qu'il reste là. On va pouvoir parler des nouveaux personnages, à savoir Moze et Feixiao. Alors là, vous l'avez vu, hein, c'est la tier list qu'on avait faite justement la dernière fois. Et moi, j'avais fait un petit peu mes prédictions, entre guillemets, parce que j'avais pas vraiment placé Feixiao là où je pensais réellement la mettre. Mais voilà, je pensais à peu près au niveau de ces placements-là, pour ces personnages-ci. Et donc Moze, je l'avais mis en S. J'ai eu l'occasion de tester un petit peu le personnage. Je l'avais pas testé encore, enfin, à la sortie du patch, quoi. J'avais pas eu l'occasion de le faire. Et force est de constater que c'est vraiment un excellent 4 étoiles. Alors, est-ce que c'est le meilleur 4 étoiles du jeu? Ça se discute. Le fait que ça soit un personnage qui rentre dans la meilleure team du jeu, ou l'une des meilleures teams du jeu, forcément, ça l'aide un petit peu. Je pense qu'en termes d'utilité, il est peut-être encore un tout petit peu en dessous de Gallagher. Ce qui sauve, en fait, Gallagher, c'est le fait que ça reste un soigneur, et forcément, un support, ça reste très puissant. Mais si je devais faire un classement des 4 étoiles actuellement sur le jeu, je dirais que Gallagher reste le meilleur personnage 4 étoiles actuel, mais que celui qui le talonne, bah, c'est clairement Moze, hein, qui est vraiment très puissant, offensivement comme finalement son côté un peu support sur la team. Ça le rend vraiment très perspicace, et bah, ça accompagne extrêmement bien Feixiao, qui est le personnage de la 2.5 pour en tout cas la première partie. Pour moi, du coup, le placement de March 7th, il va rester ici, hein, en S. Le perso mérite sa place ici. Donc on monte pas Moze en S+, parce qu'il n'est pas au même niveau que les personnages qui se trouvent en S+, non plus, faut pas abuser. Mais c'est un des meilleurs personnages de ce tiers, en tout cas du tiers S, et voilà pour mon avis sur le personnage. On va passer à Feixiao. Alors Feixiao, le perso est très fort, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Moi, il y a peut-être un petit truc qui me chiffonne sur le personnage. On va la mettre en Z parce que je sais que si je la mets pas en Z, ça va peut-être un petit peu râler dans les commentaires. Mais pour moi, il y a un truc qui est un vrai défaut sur le personnage, c'est que je la trouve trop dépendante en fait de ses alliés. Si vous voulez, alors c'est un petit peu fastidieux de dire ça vis-à-vis de Firefly notamment, qui elle-même est aussi dépendante un petit peu de ses alliés. Mais en fait, quand je joue Feixiao, je l'ai testé dans plusieurs teams, hein, pour vous dire surtout, c'est que j'ai eu l'occasion de tester plein de trucs différents, même si j'ai pas Aventurine et Topaz notamment, qui sont d'excellentes teams 5 étoiles avec Feixiao. C'est que je trouve qu'elle est vraiment très dépendante de Robin, ou en tout cas bah, de ses alliés de manière générale, là où des personnages comme justement un petit peu Firefly et Acheron sont, comment dire, elles se débrouillent un petit peu mieux sur tous les aspects en fait. Déjà, le truc de Feixiao, c'est que c'est un personnage très mono-cible. Même si elle détruit vite ses adversaires, bah ça reste un petit défaut quand même, surtout quand on tombe face à une horde d'adversaires et qu'on a énormément d'ennemis à toucher. Et surtout, pour moi, un truc que j'ai trouvé un petit peu embêtant, alors je sais pas si c'est parce que j'ai pas assez de défense sur le perso, mais je trouve que défensivement, le personnage, il a vraiment du mal, et j'ai l'impression de prendre vraiment très cher avec elle. Alors peut-être que le fait de ne pas avoir Aventurine, forcément ça joue, parce que moi je la joue avec Uyoyo, du coup, pour remplacer Aventurine. Donc ça doit jouer forcément sur mon avis défensif sur le personnage. Mais là où en fait Feixiao a aucun aspect défensif, Bah, par exemple, Firefly, elle a de la réduction, elle a du soin, enfin, elle a de la survie pour elle-même, en fait. Acheron, elle a pas de survie pour elle-même, mais pour le coup, elle en a vraiment pas besoin. Il y a vraiment ce... Enfin, si, elle en a par le biais de Gallagher, de la défense, vu que Gallagher réduit l'attaque des ennemis, mais bon, dans l'idée, vous avez compris ce que je veux dire, c'est que Feixiao, enfin, personnellement, en tout cas, je trouve que défensivement, elle est trop dépendante de ses alliés, et même offensivement, bah, des fois, le perso tape vraiment pas si fort que ça, enfin... Il y a des situations où j'ai l'impression que le personnage tape pas, alors pourtant j'ai quand même un build plutôt intéressant sur le perso, j'ai des bonnes stats, les talents sont quasi tous montés, ça tape très fort, mais je trouve pas que ça soit transcendant non plus. Bon après, bien évidemment, ça reste un personnage vraiment très puissant, faut encore que je la joue un petit peu pour me donner un avis vraiment définitif sur le perso. Cependant, pour moi, en tout cas, c'est clairement pas le meilleur DPS du jeu. Si je devais faire un classement, et je pense que j'en referai une vidéo pour rentrer plus dans les détails, pour moi le meilleur DPS du jeu encore à l'heure actuelle, c'est clairement Acheron, suivi de Firefly, et en troisième position, je pense que je mettrai effectivement Feixiao. Donc voilà du coup pour mon avis sur le personnage. Elle va en Z, mais je la trouve vraiment très dépendante de ses alliés, et ça pourrait presque être un défaut à l'avenir, donc attention. Le placement de Feixiao en Z, selon les personnages qui sortiront à l'avenir, est peut-être discutable. En tout cas, on aura l'occasion de revenir dessus un petit peu plus tard, quand on aura les autres personnages qui sortiront à travers le jeu. Pour Lingsha, du coup, est-ce que mon positionnement sur Lingsha change? Franchement, pas du tout. Je pense que le perso reste en S+. Il y en a qui sont encore sur le... Ouais, c'est un Gallagher un peu premium, mais Gallagher reste trop intéressant et tout. Je pense qu'il y a encore des personnes qui sous-estiment la puissance de Lingsha et bah son combo avec justement Feixiao notamment, et puis même son combo de manière générale avec les différents personnages du jeu. Je pense vraiment que c'est un très très bon personnage, j'ai hâte de voir quand elle va sortir. Je pense pas que je la tenterai, mais j'ai hâte de voir les avis des gens changer, surtout sur ce personnage quand elle sortira. Et puis bah voilà, écoutez les amis, je pense que j'ai fait un petit peu le tour pour cette petite tier list, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, si justement vous auriez des replacements etc. à faire, si bah justement cette question, est-ce que pour vous, les DPS comme Dan Heng, Imbibitor Lunae et Jingyu vont vraiment commencer à avoir du mal ou non? Et puis bah écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit like, vous abonner si ce n'est pas fait pour ne pas louper les prochaines aventures de la chaîne. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, c'était Azertii. Tchuss!